Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Witcher. Aujourd'hui, on a pour objectif de terminer ce premier chapitre et d'en finir avec la bête. Et pour cela, il faut qu'on retourne voir notre sorcière des faubourgs de Vizima, Abigail, afin de savoir si elle a terminé la potion qui permettra à Alvin, je sais jamais trop comment il l'appelle. Moi, je présente plutôt ça Alvin, je trouve ça plus joli, permettra d'en savoir un peu plus. Que puis-je pour toi ? La potion est prête ? Oui. Alvin boit ça. Sa mère ! Sans râler. Et maintenant, parle. Abigail, j'ai peur. Pourquoi ils ont écorché le chiot ? La fille qui n'était pas d'ici, elle a crié très fort, pas comme une humaine. Méchants enfants qui font encore du mal au chiot de la sorcière ! Du sang innocent, des visages méchants, l'alcool, l'excitation. Bourre-la bien, montre-lui que tu es un homme. De l'or taché de sang. La bête est née ! La mort, le jugement dernier. La bête est déjà morte une fois. Elle n'a pas peur de mourir. Elle est la mort. Comment vaincre la bassesse humaine ? Avec ton glaive ? Toi qui es mort et qui marches pourtant parmi les vivants. Dis-moi qui m'a invoqué ! Ça suffit, Abigail. Par le pouvoir des sept sphères, quitte ce corps. Pars ! J'ai sommeil. Alvin, au lit. Gérald, un autre sorceleur, Berengar, est venu avant toi. Il a laissé ses lettres. Merci. Adieu. Ok. J'espère que le gamin se souvient pas de tout ce qu'il a vu, parce que apparemment il a vu un petit peu un viol. Je suis pas sûr que ce soit très bien pour son équilibre mental. Il a déjà quand même suffisamment de soucis dans sa vie, ce pauvre gamin. Alors, note de Berengar sur la bête. Première nuit, 95 kg de muscle, environ 1m35, gros de la longueur du pouce, à éviter absolument. Deuxième nuit, la bête invoque des barguestes avec ses hurlements, origine démoniaque quasi certaine. Troisième nuit, forte résistance au fer et aux signes, mais pas remarqué les trois Irden que j'ai lancés. Quatrième nuit, caractéristique du démon d'Alzur confirmée. La bête posera une question, ceux qui répondront correctement auront une chance de la terrasser. Ok. Et on a une nouvelle entrée pour Cerbère, ectoplasme, trace de l'au-delà. Est-ce qu'elle a peut-être que plus d'interrogations, plus d'éléments ? Puis-je poser une question ? Oui. Ça vous dit quelque chose, le démon d'Alzur ? Un jour, le mage Alzur rencontra une bête immunisée contre la magie. La bête avait un corps de lion et une tête d'homme. Intéressant. La bête demanda « Quel animal marche à quatre pattes le matin, à deux pattes à midi et à trois pattes le soir ?» Tu connais la réponse ? Oui. Oui. Lorsque Alzur répondit correctement, la créature perdit ses pouvoirs. Elle passa à l'attaque, mais Alzur put la vaincre. Quel est le rapport avec notre chien verdâtre ? La bête a parlé par l'intermédiaire d'Alvin. Il a dit « Qui m'a invoqué ?» Trouve les villageois dont les mauvaises actions ont fait apparaître la bête. Je vois. Alors, qu'aurais-tu répondu au démon d'Alzur ? Alors, c'est l'énigme la plus connue donc ça, au monde, je pense. Donc ça en donne l'énigme peut-être la plus nulle au monde. Parce qu'une énigme, c'est censé te faire réfléchir et ne pas être aussi facile. Donc la réponse correcte, c'est un homme. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette énigme et cette réponse, en fait, c'est l'énigme du sphinx. Et là, j'ai un doute sur le personnage. Est-ce que c'est avec Thésée ? Ou c'est... Non, c'est peut-être Oedipe. Enfin bref, dans la mythologie grecque, et en fait l'explication c'est à quatre pattes, c'est quand on est un bébé, ou rampé à quatre pattes. À deux, le midi, puisque quand vous êtes en pleine possession de vos moyens, normalement vous marchez sur vos deux jambes. Et le soir, donc à l'orée de la fin de votre vie, eh bien vous marchez à trois pattes, puisque vous marchez debout et avec une canne. Et donc voilà, matin, midi et soir. Et donc c'est l'homme. Un homme. En effet, je te souhaite autant de réussite contre la bête. Et nous on va vendre des choses surtout. Hop, on va te vendre ça, c'est toujours 20 orins de gagner. Hop, et j'ai des livres.
J'ai un élixir. C'est pas mal pour la prendre. Ouais, mais les barquettes, apparemment, j'ai tout. Le livre des animaux. Bon, vous savez quoi? Dans le doute, on va les acheter. On est plutôt bien en termes d'argent, donc on peut se permettre d'acheter tous ces livres. Hop, on va regarder. Donc au chien et au loup, il contient des informations. Ok. Donc ça a ajouté des choses au bestiaire. Même chose pour les barguests. Je ne sais pas si ça va nous débloquer d'autres choses. Et élixir âme de Cerbère, qui confère un talent d'argent une fois consommé. Ça c'est pas mal. Parce que pour l'instant on ne débloque que des talents de bronze. Alors c'est cool. Mais avoir des talents d'argent, ce serait pas trop mal non plus. Ce qu'on va faire, c'est aussi se mettre la bonne quête, du coup. Voilà. Et il faut aller voir le révérend. C'est vrai que je vais passer assez vite. C'est ça, hein. Je vais me rendre chez le révérend pour lui transmettre mes informations sur la bête. Donc ça, voilà. Ok, alors on va aller chez le révérend, on fait juste un petit détour par la taverne afin de déposer les documents. Comme ça on peut les conserver. Alors j'ai dû en jeter du coup, parce que j'avais complètement oublié qu'à la taverne on avait une espèce de coffre. C'est dommage, moi qui aime bien tout garder, je n'aime pas jeter des objets. Donc tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. Quoique j'ai pas une place infinie non plus, mais... Ça, on va le mettre là. Ah oui, je l'ai deux fois même. Hop. Et... Allez, ça va aller ça. Ici aussi, puisque de toute façon il nous en faut trois. Le saphir, je vais le mettre là. Les fleurs, je vais les mettre ici parce que pour l'instant, de toute façon, j'en ai pas l'utilité. Et je pense pas qu'on en aura l'utilité pour l'instant jusqu'au... Comment ça s'appelle? Jusqu'au chapitre suivant, voilà. Ah, c'est, des fois c'est compliqué hein, de parler. Ça, le temps que ça peut. Ah, la marche, on... tant pis. C'est pas grave. On n'est pas là pour ça, on est là pour régler son compte à la bête. Donc allons voir le révérend. Normalement il voudra bien nous parler, puisqu'on a fait un peu tout ce qu'il voulait. On a été interrogé la sorcière qui l'accuse hein, évidemment. Révérend du feu éternel, hein. Le feu éternel c'est pas vraiment le culte dans cet univers le plus ouvert au monde, loin de là. De petite tendance à cramer tout ce qui est non humain. Donc bon, pas étonnant qu'il l'accuse directement. Je suis pas sûr hein, quand même. Carrément, je la connaissais pas cette expression. Mais je suis pas sûr que le révérend nous écoute vraiment quand on va lui dire que la sorcière n'est pas responsable de l'apparition de la bête et que ce sont les actions humaines, hein, si vous n'avez pas compris. En tout cas, je suppose que ce sont les actions humaines qui ont créé finalement cette créature démoniaque. En tout cas, il y avait clairement un viol, il y avait de la corruption, en tout cas dans ce que Alvin a dit, donc voilà. Eh, révérend. Parlez. Je sais d'où est venue la bête. A-t-elle été invoquée par la sorcière? C'est le vice des hommes qui l'a engendrée. Pour tuer la bête, je dois d'abord démasquer les coupables. Vous avez peut-être raison. Lorsque les brebis s'égarent, le berger doit les ramener dans le droit chemin, ou alors elles sont dévorées par les loups. Je vais réunir les villageois et tâcher d'apprendre tout ce que je peux pour vaincre la bête. Voici votre récompense, sorceleur. 200 orins.
J'ai fait ce qui m'était demandé. Où se trouve le repère de la salamandre ? Allez à la taverne. Des gredins au service de la salamandre s'y sont installés. Ils se cachent dans la vieille demeure du tavernier. Olaf aura la clé. Et sorceleur ? Oui ? Non, rien. Puisse le feu éternel briller sur votre âme. Dites aux villageois de rester cloîtrés chez eux. Je ne veux pas te blesser. Bon, on a ce qu'on voulait, ce qu'on est venu chercher, en tout cas sur la salamandre. Bon, j'imagine que l'histoire de la bête n'est pas terminée. On n'a pas fait tout un build scénaristique pendant un chapitre pour pas qu'on l'affronte à la fin, mais elle doit être plus ou moins liée à la salamandre. Oh, c'est plutôt cool hein, quand ça s'arrête comme ça. Météo dynamique, sympathique. Mais du coup là, pour l'instant, c'est la salamandre. On sait qu'ils sont installés à la taverne et que Olaf pourra nous donner la clé qui nous permet d'accéder à leur repère. Oui, alors. Parce que si ça se trouve, je vais pas du tout me rendre à la taverne. Sinon, pas de souci. C'est bien par là-bas. On y va. On sauvegardera avant d'entrer dans la taverne. Parce que j'imagine que ça va pas se passer aussi facilement en mode Olaf me donne les clés et on trouve leur plan bien écrit sur un journal au milieu d'une table dans une maison abandonnée. J'ai quelques doutes sur le fait que ça se passe comme ça. Donc on sauvegardera avant de rentrer. Parce que ce serait bête de mourir et de devoir tout refaire. Ok, alors pourquoi je me suis arrêté? Si vous n'avez pas remarqué, les gens ont disparu. Là il y avait toujours plein de gens. Il n'y a plus le nain. Et c'est même pas la pluie. Les portes sont ouvertes bizarrement de ce côté. C'est étrange. Ah. Quoi? Ah, corps du tavernier. Bon bah Olaf est mort et il va falloir sauver Shani. Qui a l'air d'être en mauvaise posture. Laissez-moi! Tu peux roucouler mieux que ça. Ne me touchez pas. Et fougueuse avec ça. Et si on lui montrait ce qu'on a fait à Ilsa, la coquine de Mikul? Quelle hurleuse, celle-là. Encore un nouveau? Il a dû te dire de l'attendre ici, comme nous. Allez, on va rigoler avec cette petite poule. Cette dame est sous ma protection. Vous ne la toucherez pas. Tu peux pas nous arrêter. Vraiment? Je vais t'égorger. Tu veux qu'on teste ça? Bon, déjà, on va prendre l'attaque de groupe. Lui, c'est bon. Lui aussi. Attaque rapide sur lui. Ok, on passe à l'attaque du loup. Parfait. Voilà. Plutôt bien géré, ces bandits. Tu es arrivé juste à temps. Ça va? Oui. Ils m'ont eu par surprise et ont tué le tavernier. Ils ne te feront plus aucun mal. Je pars pour Vizima. J'espère t'y retrouver. Je vais t'accompagner. Je t'attendrai ici pendant que tu t'occupes de la salamandre. Pense à moi et frappe encore plus fort. Je reviendrai pour toi, Shani. Je t'attends ici. Le tavernier. Bon, t'inquiète, hein, j'ai prévu de les taper super fort. Poches. Ça, il n'y a pas de souci. Pendant qu'une poule est en train de se marrer. Hop. Il y en a un qui a perdu sa tête. Il s'est retrouvé décapité. Bon, je prends pas leurs armes. Elles sont normalement beaucoup plus faibles que les miennes. Le tavernier avait juste la clé sur lui. Là, il y a une caisse.
avec des objets. Pour l'instant, je prends tout et la prochaine fois qu'on croise un marchand, on fera du tri, etc. Donc ça, c'est les armes. Non, là, il y a des restes. Ok. La poulet, elle est là. Et non, il n'y a rien à fouiller ici. Bon. Bon bah, ça, c'est fait. C'est bon, ça commençait déjà... Voilà, ça commence déjà à ne pas se dérouler comme prévu. Donc là, on va aller à la maison qui est là-bas. Donc c'est pas très loin. On va pouvoir y aller super vite. Bah super vite. Aussi vite que possible dans le jeu, mais... Mais moi, personnellement, ça me dérange pas hein, de faire tous les déplacements à pied. Et même sans avoir de cheval. Il y a peut-être une touche pour sprinter, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais on se déplace relativement vite quand même. Et les zones ne sont pas immenses non plus, donc on ne perd pas trop de temps à faire les allers-retours. C'est pas le souci. Ah, les sbires. Où est ta contribution? Quelle contribution? Les gosses abrutis. Laissez-moi passer. Sans contribution, personne passe. Ça ne mène nulle part. Crève, bouffe merde! Alors, tu vas te calmer, hein? Tu vas me respecter un petit peu. Parce que je t'ai défoncé. Je vais te tuer! Non, non, tu vas rien faire du tout, tu meurs. Glaive d'acier témérien. Qu'est-ce que moi j'ai? J'ai glaive de sorceleur en acier. On dit que peut-être... Ça peut aller là, ça fait du dégât. Ouais, non. Pas du tout. Bah, même si j'utilise jamais ma hache, hein, c'est vrai. Double kill, c'était plutôt joli. Oui, il est bon. Ah, je peux peut-être pas utiliser les signes quand je suis dans cette position. Par contre, j'ai pris super cher. Je l'avais pas vu. J'ai eu de la chance. Et on va prendre un petit peu de... De régène de vitalité, parce que là... Parce que là, c'est pas la joie... On va faire une petite sauvegarde avant de s'engager dans la trappe. Donc ils étaient là. Ah oui. C'est normal que je vois encore les mots restes. On dirait les caisses d'arène que j'ai sauvées des noyeurs. Ce salaud traite avec la salamandre. Ah oui, je n'ai pas remarqué. Bonne bonne déduction, Geralt. Alors. Ouf. Il y a l'air d'avoir du monde. Quoique, non, c'est des feux, assassins, ok. Il bon, y a un petit peu de monde, mais ça devrait le faire. Tu en as mis du temps. Tu as quelque chose qui m'appartient. Faux. Et toi, tu es au service de violeurs et de meurtriers. Où est Berengar? Ce minable s'est enfui, mais il était plus loquace que toi. Ça ne m'étonne pas. Hazard Javed sait se montrer persuasif. Vous venez de dire que je travaille pour des meurtriers. Odo est venu pour apprendre à tuer des guerriers. On lui a dit qu'un misérable comme lui n'arrivait jamais à la cheville d'un vrai soldat. Qui est Hazard Javed?
Un mage puissant. Tu n'es pas de taille contre lui. On verra. Tu es courageux, sorcelette. Il y a un mec au fond. Et on verra ce que tu as dans le. Et on n'a rien à cirer de ce qui se passe. Le hasard mettra la main sur toi. Trêve de bavardage. L'heure est à l'action. On n'a pas ce que tu recherches. Il n'y a rien ici. Ils l'ont emporté à notre base de Vizima. Dommage. Dansons la gaillarde. Tous ensemble sur lui. Meurs, sale chien. Fonctionne plutôt bien. Voilà. Bah qu'est-ce que tu fous là? Tu sais manier le glaive, toi. Que fais-tu ici? Le révérend m'a dit d'aller dans la maison abandonnée. Il a dit que quelqu'un m'y attendrait. Ce fils de... Je suis content que tu n'aies rien. Ils ont dit qu'on nous emmènerait à Vizima. C'est là-bas que mène la piste de la salamandre. Allez, nous devons sortir de cette caverne. Ce mur n'a pas l'air épais. On doit pouvoir le casser. Essayons. Je vais te suivre, hein, t'inquiète. Livre du chat-huant. Que je peux le lire. Ok. Hop, on a des formules de miel blanc par exemple. Ah, bah c'était sa tête à lui. Tac. Je l'ai fouillé, oui, je l'ai fouillé. Et il y a le mec au fond. Ça j'ai pas. Je prends. Oh, je suis débile. Je viens de le lire. Ouh, météorite bleue, pas mal. Un anneau qu'on pourra vendre. Des enfants. Quelque chose dans le chaudron. La cuisse de mouton, pourquoi pas. Ils voulaient nous enlever à nos parents. Ne faites pas de mal. T'inquiète, je te fais pas de mal. Je vais trier mon inventaire. Voilà, tac. Tac. Petite sauvegarde parce que... C'est peut-être pas terminé. Et on avance. Abigail, mais qu'est-ce que vous foutez tous ici dans ces grottes? C'est quoi le problème ici? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que vous faites? Je prépare un autre charme. Votre magie fume beaucoup et elle pue. La magie puissante exige de puissants ingrédients. Assez puissants pour tout le village. Pourquoi faites-vous ça? Regarde cette foule enragée qui hurle, brûlons la sorcière! C'est elle qui a invoqué la bête! Je dois bien me défendre. Ce sont les vices des hommes qui ont fait apparaître la bête. Ça ne me surprend pas. Miku l'a violée, Ilsa. La pauvrette s'est suicidée. Votre poison a bien servi. Odo a tué son frère par cupidité. Le révérend a chassé sa fille quand son ventre s'est arrondi. Maintenant elle vend son corps à Vizima. Aren a dénoncé un écureuil aux gardes pour une poignée d'or. Vous saviez tout ça, et vous n'avez rien fait. Ils me donnent de l'or contre des poisons et d'autres mixtures. Ce qu'ils en font ne me regarde pas. Je comprends mieux pourquoi la bête s'en prend à vous. Restez ici. Je vais parler à la foule. Protège-moi. Je n'ai pas commis les péchés qu'ils me prêtent. Vraiment? Fais-toi ta propre idée si tu veux. Oui, bah, on peut se faire sa propre idée, on peut... On peut lui parler et peut-être avoir des interrogations. Ah, effectivement, c'est pas elle qui met le dernier coup. Mais elle met quand même à disposition et elle se doute à quoi ça va servir. Bon, dans le cas d'Ilsa, c'est moche à dire hein, ce que je vais dire, mais c'était peut-être la meilleure solution pour elle dans cet univers. Mais... Bon, pour les autres, voilà, elles se doutent bien que s'ils prennent du poison, c'est pas pour faire une Saint-Valentin ou une connerie comme ça.
avec. Voilà, on pourrait peut-être en apprendre un peu plus en la questionnant. J'aimerais apprendre à vous connaître, Abigail. Non, alors... Je pensais pas à ça. C'est... Oui. C'est apprendre à connaître, mais... Je t'ai raconté ma version. Choisis. Mais tu m'as rien raconté du tout. On a fait beaucoup de bruit dans cette caverne. Alvin était certainement juste à côté. Ce qui rend la chose assez malsaine. Et... puis merde. Bon. Ben, c'est comme ça que vous récupérez la troisième carte du lieu. Bon, au moins on a toutes les cartes. Mais c'était pas ce qui était prévu. Clairement, c'était pas ce qui était prévu. Moi, je pensais poser des questions. Brûlons la maîtresse du démon. Que la salope souffre en crevant. Oh, toi, la sorcière se terre ici. Que le feu éternel consume son corps grouillant de péché et la bête s'en ira. Pas si vite. Elle a droit à un procès équitable. Cette salope, elle a brisé ma vie. Elle a lancé un sortilège sur mon frère. Elle voulait l'envoûter et prendre son or. Mon frère l'a repoussé. Alors elle a utilisé sa magie démoniaque sur moi pour me forcer à le tuer. J'ai vu une poupée qui vous ressemble dans sa cabane. J'en fais encore des cauchemars. C'est sa magie qui a tué mon frère. Elle mérite la mort. J'y crois pas une seule seconde. Ce mec, ce personnage, est l'archétype d'une enflure, clairement. Donc je pense qu'effectivement il a tué son frère dans son sommeil. Et que bah, c'est bien... comment dire ça? C'est bienvenu d'accuser la sorcière. Votre frère était un guerrier et vous n'êtes qu'un ivrogne. Comment auriez-vous pu le tuer si ce n'est pendant... Pourquoi l'écouter? C'est un mutant, un sorceleur! Que lui reprochez-vous, Arène? Elle devait se donner à moi si j'aidais la Scoetel. Je déteste les non-humains, mais j'ai dû pactiser avec eux. Et ça vous a profité? L'or ne fait pas tout. Il y a des principes à respecter. Oui, il y a des principes à respecter, mais tu traites avec des ravisseurs d'enfants. Bah, vous traitez avec des ravisseurs d'enfants. Avez-vous pris votre décision? Quelle est votre opinion, révérend? La sorcière a manipulé Odo et Aren. Elle a empoisonné Ilsa. Alors attends. Elle a pas empoisonné Ilsa, elle a donné une porte de sortie à Ilsa qui s'est fait violer par un des mecs. Donc, si vous voulez brûler quelqu'un, brûlez le violeur. Hein. Je laisse la supposition, hein. Faites ce que vous en voulez après. Mikul a violé Ilsa et elle s'est suicidée. Abigail aurait dû partir depuis longtemps. Mais elle reste pour nous faire payer le mauvais tour que la nature lui a joué. Elle en a appelé à la magie du démon pour manipuler ces pauvres gens et invoquer la bête. Ok, elle n'est pas toute blanche, Abigail, mais... Mais ça reste quand même moins... C'est moins pire que tout ce village. Je vais brûler ce village, c'est tout. Assez, fils de chienne. Ces fumiers vous mangent dans la main. Vous savez qu'ils vendent des enfants à la salamandre, comme vous saviez pour le viol et le meurtre. Je vous crache au visage. Vous êtes tous pareils, tous coupables. Vous regretterez ces paroles. Je m'occupe d'Abigail. Regagnez vos maisons. Depuis l'aube des temps, la femme est le nid qui abrite le mal. Instrument du chaos, elle complote sans relâche contre le monde et la race humaine. Seule la lubricité guide la femme. Pour satisfaire son insatiable appétit et ses désirs contre nature, elle serre les démons avec joie. Ils veulent nous tuer. Ne craignez rien. La voilà! Brûlez cette sorcière! Personne ne brûlera personne. Mes amis, ils tentent de nous effrayer. Mais tant que nous serons ensemble, ils ne pourront rien. Ah oui, vraiment. Partez, sorceleurs.
et laissez la sorcière, ou vous brûlerez avec elle. Ah oui? Et qui veut essayer? Ah! Dégage, minable, et je t'épargnerai peut-être. Je vois deux possibilités. Vous attendez mon départ et vous tuez Abigail. Mais alors je reviendrai et je tuerai tous les pouilleux que je croiserai. Ou vous pouvez opter pour une existence honorable. Lavez votre conscience et recouvrez un peu d'humanité. À vous de choisir. Merci, Geralt. Allons-y. Il faut s'occuper de la bête. Ah, direct, comme ça? Ok. Parti. Tu veux bien dégainer, Geralt, s'il te plaît. J'espère qu'Abigail est invincible. Oula, 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 je prends super cher. On va reculer. Voilà, bouffé. C'est pas le style de combat le plus efficace, mais comme ils sont en groupe. Oula, oula, oula. Vite, 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 vite. Voilà, sauve-toi. Ok, bon, elle est par terre, on va espérer qu'elle se relève. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir. C'est une technique de lâche. Ah, mais j'ai pu... Ok, j'avais plus la régène de vie. Qui explique aussi pourquoi je me suis autant fait défoncer. Donc on va attendre que ma vie remonte. Ah, Abigail s'est relevée, donc elle est invincible. Oh, c'est chiant ça. J'ai l'impression que c'est elle qui m'étourdit, hein, mais... attends. Avant que tu manges, Cerbère. Point faible, style rapide. Ok, on est bon avec ça. Abigail, si tu veux soigner ces moments. Abigail, Abigail, soigne-moi. Oh, oh, c'était pas loin ça. Sors, 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 Geralt, sors, sors. Ok. Cours. Ouais, se relèvera, se relèvera. On y croit. On court pour que notre vie se recharge. Ok, c'est peut-être pas le combat le plus... comment dire, le plus stylé du monde. Mais j'essaie d'être efficace. J'essaie de pas mourir et recommencer. Je sais pas où est-ce que le jeu me fera recommencer. Donc, dans le doute, on se met bien. Allez! Voilà! Oula! Vous. Qu'est-ce qu'ils veulent, les paysans? Abigail! Aidez cette catin! Sera votre dernière erreur! Mourez, sale mutant! Je suis encore assez fort pour vous deux. Odo! La fourche! Bon bah c'est reparti hein! Je pensais qu'il venait aider. Mais...
c'est des cons jusqu'au bout. Allez, le révérend, on n'en parle plus. J'espère avoir au dos comme ça, en fait. Arène Brog, on n'en parle plus. Au dos. Ça, ça me fait très plaisir de te tuer. Voilà. On a un autre. Apparemment, c'est bon. 100 aura sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Poussière de mort. Ça, c'est cool. Abigail. Calme-toi. On a gagné. Qu'est-ce que c'est? Trace de l'au-delà. Ah, substance spéciale. Tout le reste, je connais. C'est pas le souci. Qu'est-ce qu'il a, lui? De la thune. Bon, on va lui parler après. Ah, le sauve-conduit. Intéressant. Ah, mince. Trop vite. Merci. Que me serait-il arrivé sans ton intervention? Un bûcher. Mais... bon, c'était mon devoir d'intervenir. C'était mon devoir d'intervenir. Merci. Adieu. Et je dois aller à la taverne pour retrouver Shani. Ok, bah on va faire ça. Et globalement, on est où là? D'accord, donc on était dans... Non, attends. Si, oui, je suis là. Dans cette grotte, et là on est là. D'accord, et donc nous on doit aller juste à la taverne qui est pas très loin. Ok, bon bah tout ça c'est bon. On a un sauve-conduit. Je déclare par la présente que le porteur de ce document est un loyal serviteur de l'ordre de la Rose Ardente et un fidèle disciple de l'église du Feu Éternel. De par la volonté du roi Foltest et du grand maître de l'ordre de la Rose Ardente, cet homme peut circuler librement dans et hors de Vizima à toute heure du jour ou de la nuit. Il est de plus exempté des restrictions dues à la quarantaine, Jacques d'Aldesberg. Soit. Tac, j'ai de la météorite, ça c'est pas mal. Et ici j'ai eu un ingrédient alchimique spécial. On fera ça plus tard. Bon bah combat pas évident hein, contre la bête. Elle était bien présente, elle était bien motivée. Ah, une goule. Bon, bah... un combat. Si ça peut nous permettre d'avoir un peu d'XP et d'avoir quelques points de talent, on va pas dire non. Un peu de sang de goule. Je sais pas trop à quoi ça sert encore pour le moment. Ben je retiens pas forcément toute l'utilité des potions. Alors je vois des petits trucs. Des petits trucs rouges. Est-ce que c'est parce que je suis un peu intoxiqué avec. Alors, on va d'abord aller voir Shani et puis après on ira un feu de camp. Intoxiqué par les potions, c'est possible. Petite sauvegarde, ça fait plaisir, c'est vrai que j'ai pas pensé à la faire. Geralt, j'étais vraiment inquiète. Je te raconterai ça sur le chemin de Vizima. Je n'ai plus rien à faire ici. Moi non plus. J'espère ne jamais revenir. Quel nid de vipère. Les temps sont durs, Geralt. D'accord. Mais tu sais qui a causé l'apparition de la bête? Non. Par leurs méfaits, ils l'ont inconsciemment créée. Un magicien puissant n'aurait pas fait mieux. Un vrai conte de fées. Chaque conte recèle une parcelle de vérité.
Bon, bah ça c'est fait. C'était marqué, je dois atteindre la porte de Vizima et parler à Mikul, je crois. Certainement. On va voir ça. Je vais juste aller au feu de camp. On va pas faire le chemin de nuit. Alors normalement les Barghès devraient plus apparaître puisqu'on a tué la bête. Mais dans le doute. Dans le doute, un peu de méditation, ce sera pas mal. Alors, oui, je peux faire ça. Ça c'est bien. Je peux faire de l'hirondelle, non? Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un type de mélange élixir. D'accord, si tu veux. Ah, il faut que je fasse de la mouette. C'est ça. Je vais refaire un peu d'hirondelle. Et puis ça ira très bien pour la chimie. En termes de points, bah j'ai rien du tout. Ce qui est dommage. Et bah on va méditer jusqu'à l'aube. Voilà. Comme ça on a enlevé toute infection et autres. Et on a fait nos élixirs et notamment l'âme de Cerbère qu'on va utiliser pour avoir un point de talent d'argent qu'on va mettre quelque part. Alors, force, dégâts plus 10, parade plus 5, vitalité plus 75, résistance au saignement. Débloque le niveau 4 des styles puissants. Index de l'attaque et de l'esquive pour le coup. Ouais. L'endurance. Enfin, l'endurance, la régène d'endurance, de la résistance au poison, à la douleur et à l'étourdissement. C'est pas mal. Hein. Et intensité de base des signes. Ok. Igni. Hard, on a quoi? Entraîne renversement. Ce qui est pas mal. Hein. Ouais, dans l'acier. 80 à 160 de dégâts, protection ennemi moins 35, saignement plus 50. Ouf, dans le groupe. Alors, je vais prendre l'attaque puissante. L'attaque puissante, ça me paraît pas mal. En plus, j'utilise souvent. Donc, ça me semble pas déconnant dans l'idée. Bien! Et on doit aller porte du meunier. Je sais pas où est Shani. Censé nous suivre. Bon. Est-ce que c'était le point vert là? Non, c'est la vendeuse de viande. Bah je ne sais pas. Elle est là-bas. Elle était partie sans nous et elle nous attendait. Ah excuse-moi, je faisais mes potions, je me reposais, hein. J'ai quand même tué tout un groupe de bandits, une bête monstrueuse, des villageois, le feu c'est pas moi par contre, voilà, hein, je tiens à préciser, c'est pas moi qui ai foutu le feu aux maisons, même si ça ne me dérange pas plus que ça hein, de cramer ce village, même si c'est pas le village en question, bon les paysans en question là n'ont rien demandé ceux-là, mais bon. Ah oui, ils sont effectivement tous morts. Alors, heureusement qu'on a fait les quêtes secondaires du coup. Parce que sinon on serait bien embêté. Donc j'ai eu le nez hein, pour de faire les quêtes secondaires. Parce que sinon on serait passé déjà à côté notamment d'une cinématique qui est intéressante. Donc je vous renvoie vers l'épisode précédent si vous l'avez pas regardé. Quand on va enterrer quelqu'un dans la chapelle. Cinématique intéressante et qui me semble hyper importante et qu'on peut passer totalement à côté du coup. Parce que vu que c'est le révérend qui nous permet de rentrer, si vous faites la quête principale, vous tuez le révérend et il est plus là. Donc voilà, si vous faites ce type de raisonnement. Après je sais pas ce que ça se fait quand tu prends le côté du village, mais j'ai pas envie de prendre le côté du village. Bon bah il n'y a plus personne, c'est un village mort. J'ai envie de dire c'est un peu classique à chaque fois que je passe quelque part dans un RPG, mais...
Là, pour le coup, j'ai quand même essayé de faire au mieux. Là. Bon, on va pouvoir rentrer dans Vizima et ça, c'est plutôt cool. Vizima est de l'autre côté de cette porte. Je quitte cet endroit sans regret. Moi aussi. La bête est morte. Des hommes de la salamandre aussi. Tout comme les paysans. J'ai un sauf-conduit. Mikul devrait nous laisser entrer. Allons-y. Bah, il a intérêt parce que... Déjà que j'ai envie de lui trancher la tête. J'ai un sauf-conduit. Je veux entrer dans Vizima. Je suis désolé, sorceleur. Demandez pardon à Ilsa. Sergent, c'est le sorceleur dont je vous ai parlé. Sale petit enfoiré. Qu'avons-nous là, Mikul ? C'est lui, notre homme ? Oui, monsieur le sergent, oui. C'est cet enfoiré de sorceleur. Un blasphémateur et un faussaire, c'est ça ? Il a demandé qui pouvait entrer dans la cité et après, il est revenu avec un sauf-conduit de l'ordre. Si c'est un chevalier de l'ordre, alors je suis la princesse Ada. Salopard. On va finir en prison, c'est ça? Ouh, Mikul, t'as intérêt qu'on te recroise pas. Donjon, ah oui, on est en prison. Et chapitre 2. Donc après cette cinématique, on arrêtera l'épisode ici. Hé, hey, laissez-moi sortir. Je suis innocent. Le fistec, c'était pour mon usage personnel. Hé, le geôlier, change-moi de cellule. Je veux pas être mélangé avec les politiques. La politique, ça rend fou. Je suis un honnête voleur, moi. Ferme-la. J'ai du travail. Joseph, reste calme. Tu veux me tuer ou quoi? Ce voleur m'emmerde. Voleur? Et je suis avec les politiques. Scandaleux. J'ai dit ferme-la. Arrête de hurler ou je te jure que j'écrase ta gueule de drogué. On se croirait à l'asile de fous. T'as un problème, Blanchette? Tu veux que je t'apprenne à danser? Allez, je veux voir tes mains en l'air. Joseph, ouvre la porte. T'as peur? Comme un bébé? Allez, Blanchette, montre-nous. Dégage. Alors, tu te bats, oui ou non? Professeur, vous êtes libre. Quelle ironie. Nous nous recroisons. Si près et déjà si loin. Ne craignez rien, sorceleur. Nous nous reverrons. Vous commettez une erreur. C'est un meurtrier. Vous semblez ignorer les règles de notre monde. Il n'y a pas de place dans notre société pour un assassin génétiquement modifié comme vous. Mais nous réglerons bientôt tout ça. Adieu. Quand vous voulez. Eh bien, on est en prison. On a vu le... Le professeur, j'allais dire le sorceleur, non, le professeur, sortir, et on va essayer de sortir d'ici aussi, certainement en, faut que je bastonne quelqu'un. Certainement en se bastonnant avec lui, ah bon, on ira interroger tous les prisonniers, mais on verra tout cela la prochaine fois. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode vous a plu, et puis ben, passez une bonne journée.